Hey matelot, ici Défroid et aujourd'hui on se retrouve pour faire la continuation de ce let's build sur le prélude sur Minecraft. Et donc aujourd'hui on va en fait faire tout ce gros truc là, tout le grand truc qu'il y a dans la coque en fait hein, du bateau, intégré dans la coque du bateau directement pour que l'on puisse enfin en avoir fini avec cette coque là, parce que je la trouve vraiment grise, je la trouve vraiment fade et donc du coup j'ai envie de la remplir un petit peu et on s'occupera vraiment de tout le gros morceau après de l'aménagement intérieur un petit peu plus tard. Donc du coup on fera aussi un petit peu l'avant à la fin. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que l'arrière a été flippé dans l'autre sens, a été donc avec un flip hein, tout simplement. Normal, phare, voilà, merci. Et donc on a à l'arrière du bateau les plages artificielles qui sont pas tout à fait finies. Je sais pas si je le ferai durant cet épisode parce que voilà, j'appuie pas sur les bonnes touches pour me déplacer. C'est un running gag hein, chez moi de toute façon de pas appuyer sur les bonnes touches. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal hein, les plages couvertes comme ça. Vraiment appréciable. Voilà, donc il y a des espèces de trous ici, donc évidemment il y aura des ouvertures qui partent par là. Je n'ai pas encore fait ça. Oups. Ou là aussi, mais du coup, il y a tout un grand pan couvert ici comme ça, et on pourrait vraiment incruster des choses dans le toit. Hein. Comme vous voyez, il y a pas mal de hauteur sous plafond. Et on pourra vraiment faire des éclairages sympathiques et tout le bordel qui va avec. Du coup, pour cet épisode, on va s'atteler à la forme de la coque qu'il y a sur le côté. Du moins, incruster toutes les petites fenêtres et tout ce qu'il y a dans la coque d'intéressant. Alors, pour ça, il va falloir que je dégage la forme des ponts, de savoir exactement où vont être les ponts pour que je puisse me repérer et pas faire du gros nawak. C'est quand même un peu le risque. Hop, donc ici c'est un pont. Du coup je m'aligne véritablement avec les ponts déjà visibles, histoire que je me foie pas dans mes calculs. Ça serait dommage. Hop, donc ici il y a le deuxième pont. Voilà, quand je dis deuxième pont, je fais par rapport à celui que je viens de compter juste avant. Hein, parce que si je les compte de manière normale, donc 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Ça risque de pas passer. Du coup, il va y avoir des trucs qui vont être des hublots ou des fenêtres réellement importantes par rapport à l'intérieur du bateau pour laisser passer de la lumière, etc. Et d'autres motifs qui ne seront là véritablement que pour la décoration. Et on va essayer de séparer les deux en deux parties bien distinctes. Alors, premièrement, petit 1. On va faire des fenêtres incrustées dans la coque du bateau à partir. Donc si ça c'est notre machin, les fenêtres on va les faire donc si on prend par l'intérieur. Voyez ici là par exemple les fenêtres, on va les faire comme ça, peut-être, sur trois blocs. Est-ce que ça passe? Est-ce que il n'y aurait pas moyen de faire encore plus? Est-ce que trois blocs ça serait bien par rapport à la taille du bateau? Est-ce que 4 ça serait pas mieux? C'est la grande question. Ouais, 4 ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Ah oui, mais non, sur le bateau ils sont vraiment fines hein, les trucs. Ouais, donc non. Je vais rester sur le 3. Ça paraît être un bon compromis. Hop là. Voilà. Donc ça, je rebouche. Et je vais prendre le repère à partir de ici. À partir de, en fait, ce qui est bien sur le bateau, c'est que les vitres, que ce soit des différents ponts, sont à peu près alignées les unes par rapport aux autres, donc c'est plutôt facile pour prendre des repères. Hop, donc ici, là, pour le début de la première grande vitre qu'il y a sur le côté, et ça va tout juste à l'arrière du truc là, donc par là, 3. Hop, petit coup de World Edit. Ah zut. Ok, donc j'avais fait un bloc trop de trop. Ok, bon bah celui-là je le vire à la main. Donc du coup vous voyez voir une grande fenêtre ici.
va y avoir une fenêtre à côté. J'en garde mes plans-plans. Alors, qui, elle, va être alignée avec le milieu de ce machin-là. Donc, à peu près ici. Hop, entre là. Et avec... que je dise pas de conneries. Avec la fin... Enfin, un truc vers la fin de ce machin-là. Donc, en fait, je vais surtout compter la longueur de ce truc-là. Pour savoir... combien de largeur je vais faire pour le deuxième, parce qu'il faudrait faire une... Ah oui, merde, mais évidemment, oui, je vois pas le chat, donc je dois compter à la main. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, ça tombe sur un compte, bon, donc c'est parfait. À la limite, c'est donc je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je compte donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que là... Ah, ouais, donc non, ça passe pas du tout. Alors, première chose que je me suis complètement foiré, c'est que j'ai pas pris du tout le bon repère. J'avais pris l'espèce de repère que j'avais fait tout au début. Et j'avais pas du tout fait à partir de là. Donc c'est à partir de... Là, quelque part comme ça. Je me mets à la même hauteur. Donc ici, c'est bon. Pouf, pouf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et oui, alors ça, c'est déjà beaucoup plus adéquat. Je vais peut-être augmenter la taille. Je vais faire 21 et je vais, hop, augmenter de 2 ici et donc de 1 là-bas. Hop, pour que ça soit un petit peu plus grand. Et du coup, je vais faire les autres repères pour les autres choses qu'il va y avoir dans la coque. Et après, je vais commencer. Ah oui, il y a l'avant aussi à faire un petit peu. Je fais l'avant tout de suite. Ouais, je vais faire l'avant tout de suite, histoire que ça soit fait. Parce que l'avant, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est juste vraiment des petits trucs au niveau du nez là, vraiment du nez, vous voyez, avec les espèces de plots ici. Bien, juste en dessous là, vous avez des trous en fait, hop, comme ça, sous le niveau du pont, pour laisser. Je sais pas trop à quoi ça sert pour être honnête, mais voilà, en tout cas, ça existe et je vais le refaire. Donc, pouf, 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 tu dégages, merde, c'est bien, ouais. Oui, et ici, tant qu'à faire, 1, 2, 3, impeccable, ouais, non, du coup, comme ça, ouais, bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va les faire. Alors, regarde quand même mes plans-plans, oula, ouais, d'accord, il y a plein de petits hublots aussi, que je vais faire directement. Alors, qui commence à partir d'où? Il commence à partir de là, au niveau du creux. Donc, je l'ai mis à peu près par rapport à ici. Le problème, c'est que je ne sais pas trop à quelle hauteur les foutre les hublots. Hop, c'est vraiment des tout petits hublots. Alors, si là, c'est bouché, j'ai 3, 4, 5. Donc, ici, là, hein, c'est le meilleur moyen pour que la lumière passe correctement. Ah, j'arrive plus à m'envoler. Boum! Hop. Alors j'ai vraiment des chutes de FPS de plus en plus violentes hein, sur ce bateau, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi ça prend autant de FPS. C'est une curiosité particulière. Donc est-ce que je le fais de large? Boum. Ouais, vas-y, je vais me lancer dans le 2 de large. 1, 1. Hein, ouais, alors par contre là ça fait vachement rattaché, vachement rapproché surtout. Comment essayer sur... Non, ouais, ça a plutôt l'air d'être sur les images hein, que je vois du 1 par 3, 1 tous les 3, 1 tous les 2, 1 tous les 2 peut-être, 1 tous les 2, 2. Ouais, voilà, ça correspond déjà beaucoup plus. Donc du coup... Je vais faire hop, la longueur qui est demandée jusqu'à
qu'un de plus à peu près jusqu'à là. Et on va aller tout jusqu'au fond, tout jusqu'au DCL en fait, ici. Hop, donc 1, 2, 3, 4, hop, tous les deux espacements. À la limite, si les hublots ici espacés de 2 sont trop espacés ou pas suffisamment, on pourra les changer, hein, y a aucun souci là-dessus. Le tout étant que ça rende le mieux possible sur le bateau par rapport aux images, histoire que ça soit cohérent et que ce soit beau aussi, parce que évidemment s'il y a quelque chose sur les plans qui sont pas top, je vais pas les reprendre. Hop, tout simplement. Donc voilà, là on a placé les hublots du bas. Il y a toute une partie que l'on va faire, tant qu'à faire, pour le derrière. Faudrait que j'arrête ça, moi, quand même. Là, c'était nul, je sais. J'ai un problème. Sur les images, je viens de voir que, à la place de prélude, là, il y avait censé être une grande petite barre, là, que l'on va faire au pont d'en dessous. C'est problématique. Je sais pas si c'est par contre un hublot ou si c'est un truc intégré dans la coque. J'ai l'impression que c'est un hublot quand même. Ce qui est d'autant plus dérangeant. Ah. Où exactement? Ouais, il est pile. Ah non, il est pile en dessous le machin. Si je me repère par rapport au pont. J'ai un bloc juste au-dessus de ce machin. Si je me mets là, par exemple, pour faire une fenêtre en dessous le prélude, ça va faire un truc ici, comme ça. Je le mets en rouge, histoire que ça sorte bien. Si je mets un hublot ici... Bon, je vais essayer, hein, tout simplement. Avec des hublots de quelle couleur, du coup? Avec des hublots noirs, complètement noirs. C'est un peu le problème de ce bateau, il est vraiment trop noir, quoi. Ça va jusque là, les hublots. Et ça va... tout jusqu'à... ici à peu près. Hop. Ouais, du coup, je vais pas pouvoir... Alors... on va essayer de faire un truc, ça veut dire qu'on va essayer de faire un hublot complètement de un bloc intégré dans la coque. Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire je réépaissis le mur ici, hop, et je vais mettre un hublot au niveau de la deuxième couche, histoire d'avoir du relief. Hop. Voilà. Donc du coup, je vais prendre non pas les glass panels, mais les glass pans, les pans, je ne sais pas ce que ça veut dire pan en anglais en plus. Et je vais les foutre ici comme ça. Hop. Ah ouais, merde, il y a des trous. Bon, moi je les comblerai plus tard. Hop. Je comble les trous. Et est-ce que ça rend bien de l'extérieur? Boum. C'est pas terrible. Je suis pas convaincu. Est-ce que ça serait pas plus... d'ailleurs, je vais me mettre là plutôt. Plus efficace. Oula. Si je mettais les vitres comme ça en blond. Alors, hop, les vitres en blanc, c'est 95.0, hop, 7, replace. 95 par 95, 2.00. Hop, si je les mets en blanc, est-ce que ça ressort pas mieux, est-ce que ça fait pas mieux? Ça fait mieux, hein, enfin, je trouve. Il est super perplexe, parce que le problème, c'est que sur l'image que je vois, il y avait vraiment un contraste entre le fait que
la coque elle-même soit plutôt grise et le hublot vraiment noir, mais vraiment noir noir quoi, un vrai noir qui faisait un vrai contraste avec le la laine grise de la coque. Le problème étant que sur Minecraft, le bloc de vitre noire est vraiment pas très très nuancé, vraiment il y a un contraste vraiment qui existe quasiment pas, et donc le coup le contraste avec la vitre blanc est beaucoup plus marqué. Est-ce qu'au final c'est pas plus intéressant de mettre en blanc du coup pour retrouver ce contraste là? Ouais, je trouve que oui, faudra tester aussi avec ces trucs-là, voir si le blanc au final ça rend pas un contraste plus intéressant que le noir sur du gris, parce que voilà, sur Minecraft ça fait vraiment pas top. J'y vais tester. Hop. Et les pannes 160. Boum. Ça envoie du pâté. Mais du coup, ça fait bizarre. Ça fait vachement bizarre. Est-ce que si je faisais juste la partie en dessous, ça rendrait pas mieux? Juste cette partie-là, vous voyez, avec la oula, avec la partie du dessus, avec toute la vitre plein du dessus en gris, enfin en noir, en bloc de vitre noir. Est-ce que ça serait pas plus pétant? Est-ce que ça donne pas plus de cachet au bateau? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Le petit problème, c'est que va y avoir un truc ici. Un truc qui va ressortir de la coque et qui va être tout en gris. Est-ce que avec ce truc-là, ça va pas gâcher le truc en blanc? C'est une question. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de savoir si c'est bon ou pas. C'est de tester, bien évidemment. Et donc, on va utiliser de la. Je vais tester un gros. Ah bah oui, mais non. Ah, mais ça m'énerve. Donc, bon, on va tester. Donc, ce machin-là. Ah putain, et sur les plans, je viens de voir un truc. Oula. Est-ce que c'est pas tout de la même couleur le prélude là? J'ai séparé en deux couleurs, mais est-ce que c'est pas tout de la même couleur? Je me pose des questions. Donc, alors, je vais par où? Ok, donc à niveau de la fin de soi, ça fait tout petit sur le bateau. Donc c'est à quelle hauteur? C'est au niveau de ce machin-là. Donc, hop, je casse ici, je prends toute la hauteur du pont. Hop. Hop, 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 hop. Même carrément au-dessus, hein, voilà, ah oui, non, il y a la machin ici que je dois pas casser. Quoique. Ouais. Je vais lui faire sa fête à ce truc-là aussi. Donc, ça va aller jusqu'à ce niveau-là. Ah oui, juste derrière le truc, en fait. C'est ouais, voilà, pile, bah, un bloc derrière le machin ici. Ça le prend. Hop, et toute cette partie-là, là, on va la virer. Et on va essayer de mettre un truc qui va se détacher de la coque à côté. C'est-à-dire que ça va être assez stylé ce truc-là. Mais je ferai des tests. Je changerai les couleurs des trucs parce que franchement, le gris foncé au niveau de la coque, ça peut être amélioré, je pense. Et du coup, au niveau des vitres aussi, ça peut être vachement amélioré. Bon, je vais finir ce truc-là avec vous et après je vous montre ce dont je voulais parler. Alors, à partir de là, on va avoir un truc qui va partir un peu comme ça. Hop, sur la coque. On va partir de la même chose de l'autre côté, histoire de rejoindre de manière un
à peu près parallèles de blocs de 1. Hop, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok, 4. Est-ce que ça fait quelque chose d'à peu près potable? Oui, on va dire que oui. Donc, par contre, c'est vraiment, ouais, bon. Je voulais voir si c'était vraiment, vraiment, comment dire, arrondi, ou s'il y avait vraiment un petit côté plat. Mais, normalement, c'est tout plat. Je vais arrondir un petit peu quand même, parce que je préfère. Et puis, c'est ce que je veux. D'une part. Hop. Ici, je comble. Hop. À la limite, je mettrai un parterre vitré après si jamais il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Mais pour l'instant, je comble. Ah oui, mais il y a le plancher ici. C'est pas bon si on a le plancher. Ah, mais c'est pas bon ça. Bon. Ah ouais, mais non. Je vais décaler ça de un bloc en hauteur. Pour pouvoir mettre le plancher en fait, parce que j'avais pas calculé en fonction de ça. Du coup. Hop. Et du coup c'est pas bon. Hop. Alors. Je copie à ce bloc là. Hop. Je me mets un bloc en dessous. Je me colle au truc. Et je fais un paste. Moins ça. Le paste moins ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça copie que l'air. Que les blocs d'air. Enfin, non, ça copie tout sauf les blocs d'air, justement. Je me suis trompé. Donc ça, je les vire. Normalement, il faut faire le fast aussi, qui permet d'éviter les lags. Hop. Et je l'ai fait au début de chaque épisode, comme ça, au moins, je suis tranquille. Ça permet de poser la pellicule de neige dans les airs aussi, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, dans un des épisodes de tutoriel, il y en avait qui disaient, qui trouvaient le mot pellicule bizarre. Je sais pas. C'est dans la langue française, hein, pour ceux qui se demandent. Parce qu'il y en a eu 2-3 en plus qui ont demandé. Oui, le mot pellicule existe bel et bien dans la langue française, et c'est bel et bien correspondant aux pellicules de neige de Minecraft. Hein. Je sais pas. Il y en a qui, je sais pas. Qui trouve le mot bizarre de manière incongrue. Pas moyen de faire un flip comme ça. Double slash flip under past. Yep, c'est bon. Le flip under, ça retourne hein, les sélections. Donc si je le fais à partir de ici. Flip under, si je le fais juste à ce niveau là, du coup il colle, donc il colle. Faut que j'arrête d'essayer de faire des blagues. Hein. Je sais que sur le serveur ils me disent tu fais des blagues pourries, mais d'accord. Donc c'est au niveau des pieds, boum, undo au niveau des pieds, donc pouf, est-ce que c'est pas trop haut? Pile poil, est-ce que c'est pile poil ou est-ce que je fais un bloc en moins? Je fais un bloc en moins peut-être. Bon, on va tester. Hein. Hop, undo, paste, merci. Voilà, on va faire à partir de là. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Et en fait. Va y avoir une grande vitre ici et une terrasse sur le dessus qui va avoir son entrée dans la partie ici là en fait. Va y avoir tout un grand cadre ici comme ça qui va bouffer dans la vitre et qui va avoir une terrasse dessus en fait cette partie là. Donc voilà, ça va être un peu ça. Du coup, je vais faire la vitre tout de suite. Je vais hop mettre 2-3 trucs comme ça et faire la vitre. Alors du coup la vitre. Pour savoir de quel coloris on va la faire, il va falloir que je teste si je change la couleur du bateau. Du coup, hop, tant qu'à faire, je vais faire ça avec vous. Hop, un petit coup de speed.
pose une. Alors, parce que je pensais qu'il y avait un contraste en fait avec la couleur de la coque au-dessus et la coque en dessous. Le seul truc, c'est qu'il y a un contraste au niveau de l'avant. Et il y a un contraste au niveau de l'avant parce que c'est surélevé à ce niveau-là par rapport en dessous, ce qui crée de l'ombre. Et c'est pour ça que je pensais que le dessous était plus gris foncé et que le dessus gris clair. Alors que, en fait, non. Sur certaines images que je viens de retrouver, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, je vais essayer et je vais voir ce qu'il en devient. Donc, replace gray, non, wool, wool de point gray par wool de point licht gray. Et voyons qu'est-ce que c'est que ça donne. Et j'enlève mon vision. Ah! C'est pas une poil mieux comme ça? Sans déconner. Donc du coup, je vais essayer replace la 160 de tout à l'heure par de la 162.15, hein, j'imagine, pour le noir. Oui, voilà. Et donc c'est 95, il me semble, l'idée du vert que j'ai vu tout à l'heure. Donc c'est replace 95 par de 95 au point noir. Et boum, et vous avez l'effet de contraste que je voulais avoir. Voilà, bah voilà. Tout va bien. Ah, bah je suis content là, au moins on aura avancé dans cet épisode. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, la vitre noire, de la vraie vitre noire pure, donc black, voilà, exactement. Hop. 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 Ouais, alors du coup, je fais ça comme ça. Je vais les placer rapidement et après, on fera les petites fioritures qu'il y a autour. Autour de ce truc-là. Alors, je crois qu'on n'a plus le temps au niveau de l'épisode. Au pire, vous savez quoi? Je vais faire un épisode en deux parties parce que je suis motivé. Enfin, je vais regarder quand même. Je voulais pas dépasser la demi-heure, ça va être compliqué. Bon, vous savez quoi? Il y a deux trois fioritures à côté. Donc, c'est-à-dire que ici sur le côté là. Merci de prendre le light gray. Va y avoir une espèce de truc comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ce soit un multiple de 3 au niveau de la largeur. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est bon, c'est parfait. 1, 2. Ah, non, ça marche pas. Bon. Si je fais ça comme ça, est-ce que ça correspond vite fait plus ou moins? Oui, ça correspond tout à fait. Bah, c'est excellent. Ici, je fais un mur. Alors, me demandez pas ce que c'est, parce que j'en ai aucune idée. Je recopie les images. Voilà. C'est des trucs qu'il y a sur le côté, ici et là, peut-être pour que ce machin se rétracte et se réouvre, si jamais c'est un truc articulé plus ou moins à peu près. Ah oui, mais du coup, il faut que je change la couleur de ce machin-là côté aussi. Le problème, c'est que je viens de penser qu'il faut faire la même chose de l'autre côté, du coup. Et que je l'ai dans le cul, parce qu'évidemment, c'est pas ça que j'avais calculé. Donc du coup, World Edit Power, on va déplacer tout ce bordel. Hop, de là. À ce machin. Donc ça fait pause. Pose 2. Ok, donc copie et je m'éloigne de 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4. Donc je m'éloigne de 4 blocs. Je me mets ici. Non, 5 du coup. Boum. Ah ouais, mais non! Ah! Alors, je me suis collé ici. Non, je me suis collé là. 1, 2, 3, 4. Si je me colle ici, est-ce que j'ai la place? Normalement, j'ai la place. Normalement, j'ai la place. Je parle de là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4.
Ok, bah c'est bon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop. Hop. Ok, donc, bah, ce machin-là, on le vire, bien évidemment. Et on reprendra la construction de l'autre machin juste à côté. Donc, ça part de là, donc on fait 3. Hop, ça part de là, on fait 3. Parfait. On casse ça, on fout ça. On fait un mur. Alors, cette boule de point light gray. Hop, voilà. Hop, hop. Hop. Voilà. Voilà. Et ça donne un truc pas trop dégueu, hein. C'est beaucoup plus discret quand même sur les images, mais j'arriverai pas à faire beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai à foutre encore? Bon, il n'y a plus le temps au niveau de la vidéo, mais normalement il y a encore des fioritures entre les deux machins ici là, donc il y a à mettre les hublots, enfin les vitres dans les hublots déjà. Il y a aussi des une petite série de hublots de ce côté-là, donc je ferai ça hors caméra. Et vous verrez ça la prochaine fois pour le prochain épisode de cette construction du prélude sur Minecraft. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!